Bonjour, je m'appelle Basile Dumont, j'ai 31 ans et je serai ordonné prêtre le 26 juin prochain à la cathédrale de Bordeaux. La première fois que j'ai entendu l'appel de Dieu, c'était en terminale, première terminale à peu près. C'est une bonne question, à travers tout un long chemin, et principalement à travers les discussions que j'ai pu avoir avec de nombreux prêtres sur cette question de la vocation. Je viens d'une famille catholique où j'ai reçu la foi par mes parents, par la paroisse où j'étais. Et arrivé en première terminale, je me suis posé un peu la question, mais comment est-ce que je peux me donner entièrement, répondre à la foi que j'ai reçue par ma propre vie? C'est lors d'une adoration eucharistique particulièrement que j'ai reçu l'appel à suivre le Christ en donnant toute ma vie dans le sacerdoce, lorsque j'ai entendu, ou en tout cas pris pour moi, lorsque j'ai pris pour moi la partie de l'évangile de Saint Jean, lorsque Jésus appelle Pierre et lui dit « Pierre, m'aimes-tu ? » Pierre lui répond « Oui, je t'aime, sois le pasteur de mes brebis. » Voilà, je l'ai pris pour moi et je suis heureux de suivre cette voie du pasteur, du bon pasteur qu'est le Christ. J'avoue que je suis assez marqué par la figure de Saint Charles de Foucault, Saint Charles qui sera bientôt canonisé, notamment par son côté d'humilité et de retrait du monde, mais tout en étant intimement lié au monde. J'en ai même deux, j'aime beaucoup celle du curé d'Ars, « Je vous aime, ô mon Dieu », mais celle qui a un peu ma préférence, c'est celle de Claude la Colombière, Saint Claude la Colombière, sur l'abandon à la Providence. Un souvenir préféré, c'est une bonne question. En tout cas, j'ai été très marqué, je me rappelle, lors de l'ordination de Louis-Marie Écomard, diacre. Parce que je me suis dit, pendant cette ordination, le prochain, a priori, c'est moi. Et je me souviens très bien avoir ressenti à la fois comme un stress, je l'avoue, devant ce grand don du diaconat et du sacerdoce. Et en même temps, une vraie joie, une vraie paix à me diriger vers là. Voilà. Donc pour moi, c'est un meilleur souvenir parce qu'il est, il m'a fait ressentir, percevoir, je dirais, il m'a fait percevoir de manière assez claire que c'était là la voie que le Seigneur me proposait pour que je puisse vivre avec lui. Mais dès le lendemain de mon ordination, le lundi 27 juin, à la paroisse de Talence, en fin de matinée, avec famille, amis et tous ceux qui seront là, je l'espère.